De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radio. Et on parle d'art. Tu me disais que tu étais une jeune artiste, toi, quand tu étais jeune. Mais c'est ça que je leur disais. J'aimais bien les cours d'art plastique. Puis c'est drôle parce que si les personnes m'écoutent, vont faire comme moi, mais tes notes, ils reflétaient pas. Mais j'aimais ça. J'aimais tout le temps comme griller ou créer ou quelque chose comme ça. Puis c'est sûrement pour ça que je suis dans les arts dans encore, les arts, dans le fond. Finalement, t'es des arts. Ben oui. Mais on va parler de l'École d'art d'Ottawa parce que c'est les camps d'été qui s'en viennent prochainement. On en parle avec Mélanie Ouimet-Sarrazin et Nadine Argaud, qui est professeure. Mesdames, donc là, un beau camp que vous offrez à nos jeunes. De quel âge? À quel âge, d'ailleurs? De 6 ans jusqu'à 15 ans. OK. Donc, on a trois différents groupes, les 6 à 8 ans, les 9 à 12 ans, puis les 13 à 15 ans. OK. Puis, donc, on est rattaché aussi au campus du centre-ville. Donc, l'École d'art d'Ottawa célèbre ses 137 ans cette année. Wow. Oui, c'est vrai. Et donc, nous, on est à Orléans, dans le campus, dans le Centre des arts Shankman. Et ça fait déjà le 8e été, cet été, qu'on offre des camps d'été. Alors, c'est un nouvel édifice, mais quand même pas si nouveau. Oui. Puis donc, du 4 juillet jusqu'au 26 août, on a des camps chaque semaine. Puis, on a des camps, justement, en français, des camps en anglais et des camps bilingues. Mais on en a un bon nombre. On a 40 camps, en fait, en tout. Et la moitié est en français. Puis donc, c'est ça, pour les différents groupes d'âge, les projets sont, associés aux habiletés, c'est ça, des jeunes. Donc, quarantaine de couples, dans quel domaine? Donc, c'est ça, c'est les arts visuels, précisément. C'est un accent là-dessus. Donc, du début de la semaine jusqu'à la fin, ils vont travailler sur des projets qui s'acheminent sur différentes journées. Oui. Donc, ils commencent, et Nadine pourra parler plus en détail des précisions pour ça, mais puis d'autres projets plus rapides, puis associés à l'âge, mais vraiment tout en couleur. Il y a aussi le mercredi, ils vont à la piscine pour une petite période de temps pour l'après-midi au YMCA qui est juste à côté. Génial. Puis, donc, ils libèrent leur créativité pendant toute la semaine, mais ils libèrent leur énergie sous une autre forme à la piscine. C'est bon pour les parents. Ben oui. On brûle leur énergie. Après ça, mais là, toi, ils viennent puis ils dorment. Ils dorment, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on espère. Nadine, toi, t'es professeure. Est-ce que tu donnes des cours, finalement, durant ce camp-là? Oui, en fait, je fais plusieurs camps du côté des camps français. OK. Et j'enseigne des beaux thématiques. On les a toutes rendues maintenant. Tout est préparé. Okay. C'est tout un go. Tu peux nous dire les thèmes? Oui, bien, quelques-uns. J'ai les aventures de Tintin. On fait des arts basés sur les différents pays. C'est un peu l'art autour du monde en suivant les aventures de Tintin. Ça, c'est fun. Ouais. On met plein de choses ensemble pour ça. C'est ça. C'est pour les 6 à 8. OK. Et, tout à fait mon âge. C'est ça. Et un autre pour les 6 à 8, c'est les Vikings et les dragons. Ah, cool. Alors, plein de belles choses avec ça. Et il y a aussi peinture grand et petit. Mm-hmm. Ils vont avoir la chance d'explorer des canevas très grands, des canevas très petits, des camions, de faire plus peinture grandeur bijoux et mural. C'est tout. Des beaux arrangements. Il y a plein d'autres camps. Puis on a des exemples ici de ce que les enfants font. Oui, certainement. On a des exemples de paysages fantastiques. C'est beau, ça. Ça serait quel groupe d'âge environ? Ça serait entre 9 et 12. Quand même, hein? Quand même, c'est beau. C'est génial. Oui. Et ça aussi, c'est aquarelle entre l'âge 9 et 12. Et on a aussi la chance de travailler beaucoup. Ça, c'est des techniques un peu plus traditionnelles. Mais on a la chance de faire toutes sortes de différentes sculptures. J'ai juste apporté des petits. On pensait vraiment que c'est une figurine en plastique. Là. C'est vraiment ça. Bien réalisé. Il y avait des enfants qui ont fait une exploration de la jungle. Et ils ont fait toutes sortes d'animaux de la jungle. Et aussi une exploration de l'Égypte en faisant une plaque sur du plâtre. Et de créer leur petit bout de mur égyptien. C'est vraiment incroyable. On travaille vraiment, on a vraiment la chance de travailler avec des beaux matériaux, des belles ressources. On donne la chance aux enfants de travailler avec les idées d'inspiration d'animaux, de la nature, des artistes du temps passé. On regarde souvent les artistes. Il y a un côté amusement, rigolo, on s'amuse à explorer l'art de notre manière, mais il y a beaucoup
On regarde la ligne d'horizon et il y a vraiment la pédagogie aussi. C'est ça. Il y a vraiment une bonne connaissance qui se développe, mais les enfants ne le savent pas. Ah, ils ne le savent pas. On passe tout le temps. Mélanie, bon, là c'est l'été, mais je sais que durant l'année aussi, vous avez plusieurs choses aussi que vous faites pour les jeunes. Effectivement. Donc l'été, c'est une belle expérience pour essayer les camps, découvrir les projets. Mais après ça, pendant l'année, les week-ends et en soirée aussi, il y a des cours qui sont offerts une fois par semaine. Chaque saison. Puis donc, ça se poursuit toujours avec des cours, avec des thématiques ou des cours spécialisés sur une technique comme des cours de dessin, des cours de bande dessinée, de photographie. Donc, c'est ça. Oui. C'est une belle variété. Donc, peut-être les gens qui ne connaissent pas ont l'opportunité de découvrir ça l'été. Puis après ça, s'ils décident durant l'année de s'inscrire. Et puis, parce que les cordes d'or, c'est quand même assez particulier pour avoir été hier à l'événement. C'est, vous fonctionnez beaucoup avec les dons pour les programmes, entre autres, communautaires et les bourses. Là, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, l'argent qui a été ramassé lors de notre événement va pouvoir servir pendant l'été pour aussi. Pour les camps, oui. Parce que c'est pour des familles, soit monoparentales ou qui ont des difficultés diverses. Absolument. Peuvent appliquer, donc ils peuvent communiquer avec nous, soit par courriel ou par téléphone. On peut leur donner un formulaire, puis ils peuvent appliquer, puis possiblement, s'ils sont éligibles, avoir accès à un montant pour envoyer leurs enfants profiter de nos camps. C'est génial. Mais c'est ça qui est génial. Oui, oui. Puis c'est ça qui est... C'est tellement important de redonner, justement, de pouvoir se souvenir. Finalement. Puis avec une école qui existe depuis 137 ans. Là, vous allez être aussi au Festival de la jeunesse. C'est commencé aussi. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là? Donc, on va avoir une belle tente. Il va y avoir la sérigraphie, puis un projet collectif. Donc, on va avoir des professeurs d'Orléans, justement, qui vont être là, bilingues, pour offrir des activités, vraiment des choses pratiques pour découvrir des techniques avec nos professeurs. Donc, est-ce que, parlant de professeurs, est-ce que les gens peuvent donner des cours comme moi? Si je suis professeur, est-ce que je peux m'impliquer comme ça au niveau de l'école d'art? Comment ça fonctionne? Les instructeurs d'art sont recherchés... C'est des artistes normalement qui ont leur pratique. OK. Et dépendant si c'est des cours d'adultes ou des cours pour les plus jeunes, ils ont une expérience. OK. C'est pas juste n'importe qui. Il y a vraiment un système d'entrevue et de garder la qualité d'enseignement très haute. Oui. Depuis les années, ça a toujours. La barre est haute. Était bien reconnue. Bien reconnue. C'est pour ça que vous êtes encore là pendant 137 ans et plus. On va sur le site web, on peut s'inscrire pour les cours, pour le camp d'été, c'est du 4 juillet au 26 août. Exactement. On peut s'inscrire dès maintenant. Pour en ligne, au téléphone. Au téléphone, on peut faire ça. Et on vous voit au Festival pour enfants cette fin de semaine. Merci beaucoup, Mélanie et Nadine. Nous, vous allez sur le site web pour les détails. Nous, on va à une pause capsule avec Michel Prévost.